Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais restaurer un soufflet de forge. Voilà, avec une manivelle qui est assez ancien. Je trouvais ça dans une brocante. Donc voilà la bête. Il fonctionne encore. Mais je vais le démonter entièrement. Je vais regarder s'il faut remettre de la graisse. Et puis je vais peut-être carrément le repeindre. Et puis comme ça sera reparti pour au moins 50 ans. Facile. Allez, c'est parti. On va mettre un peu de dégrippant. Ça irait mieux. Voilà. Voilà la bête. Alors on va mettre un petit peu de WD-40 pour enlever la graisse, histoire d'y faire propre au minimum. Là c'est rempli de gras. Ça c'est bon, on met ça. Donc là c'est bon, je viens de dévisser tout ce qu'il y avait à dévisser autour. Et maintenant, voilà, on peut voir l'intérieur. Ouah, c'est pourri. Il y a des dizaines et des dizaines d'années de trucs tout rouillés dedans. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais là c'est tout pourri. Bon bah voilà, au final on voit bien la crasse qu'il y a dedans partout. Là c'est dégueulasse. Je vais mettre un petit coup de WD-40 histoire de dégraisser un peu. Enlever le plus gros, ça sera plus simple. Putain, c'est vraiment pourri dedans. Je pense que ça n'a jamais été démonté. Ça, je peux pas le dévisser parce que en fait, derrière là, il y a l'engrenage. Il faudrait que je serre l'engrenage. Le problème c'est que si je fais ça, je risque d'abîmer les dents de l'engrenage, donc je vais pas le faire. Je vais nettoyer comme ça, ça ira bien. On voit bien toute la crasse qui tombe là. Tac. Ça, on va dire que c'est bon. Maintenant il faut que je m'attaque à cette partie là qui est toute pourrie. Je vais vraiment enlever le plus gros. Je vais prendre une petite brosse métallique, ça ira peut-être mieux.
Bon, et bien voilà, on en est là. J'ai trois morceaux. J'ai un bout de coque, j'ai un engrenage avec la manivelle et j'ai un autre bout de la coque avec la petite ailette. Donc il va falloir que je ponce tout, que je repeigne et que je remette un peu de graisse sur les engrenages et puis je vais remonter ça et puis ça va le faire normalement. Bon bien voilà, j'ai enlevé le maximum de rouille que je pouvais enlever sur les surfaces. Voilà, donc maintenant je vais essayer de repeindre ça et puis je vais remonter ça et puis ça ira bien. Je vais mettre un petit coup d'acétone quand même pour dégraisser avant de peindre, ça serait mieux. C'est encore bien pourri. Et c'est parti. J'essaye de ne pas en mettre dans les pots de vis. Bon, et bien voilà, je viens de repeindre toutes les parties. Maintenant, il va falloir que je nettoie les pas de vis parce qu'ils sont tout encrassés et les vis.
Donc je vais mettre un petit peu d'acétone au pinceau dessus, je pense que ça va bien y enlever. Ça dissout gras, ça dissout tout un peu. Ouais, ça marche plutôt bien. Ligne de fête. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, là j'ai toutes mes vis qui sont préparées. Je les ai dégraissées à fond. Donc maintenant je vais tout remonter en espérant que ça se passe bien parce que ça avait vraiment galéré pour dévisser. Allez, c'est parti. Donc là on peut voir que l'intérieur est vraiment nickel. J'ai tout repeint à l'intérieur. L'extérieur aussi. Voilà. Donc cette partie, je peux la refermer. Tac. J'avais plus d'espace de stockage dans mes cartes SD, donc ça a coupé. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai changé les vis d'origine. Et j'ai mis des vis comme ça, toutes neuves. Donc j'ai remplacé celle-là et celle-là. Et celle-là, j'ai laissé celle d'origine parce qu'elle était encore bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va assembler la partie engrenage. Donc là, il y a la manivelle avec un engrenage à l'intérieur. Et là, il y a cet engrenage-là que j'ai nettoyé aussi. Voilà, qui vient comme ça. Et que quand il tourne, en fait, il fait tourner le petit engrenage qui fait tourner lui-même l'ailette qu'il y a dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse dessous, là, sur l'axe, sur les pignons. Et puis comme ça, au moins, ça bougera plus. Et en dernier truc à faire, après, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer la poignée. Parce qu'elle n'est pas en très bon état. Elle n'est pas fissurée, donc c'est plutôt cool. Je vais y remettre un petit coup de ponçage. Et puis, je vais mettre de l'huile de lin avec de la térédentine. Et ça ira bien. Et en fait, ce petit capuchon qu'on voit là, c'était le truc d'origine pour mettre de l'huile, en fait, pour graisser les engrenages. Donc c'est pour ça que c'était pas tout dégueulasse. C'est parce que c'était graissé avec de l'huile. Mais si je le laisse dehors et tout ça, ça va vite s'évaporer, ça va vite sécher. Donc je vais mettre de la graisse au lithium, ça sera beaucoup mieux je pense. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que c'est mieux l'huile ou la graisse, je sais pas, je serais content de savoir vos avis. Voilà, allez c'est parti. Donc là je vais remonter, voilà, je prends de la graisse Facon, graisse lithium, haute pression, spéciale forte charge. Super adhésif, machin truc. Voilà, donc ça résiste bien à la chaleur. C'est une espèce de graisse verte. Donc je vais en mettre dedans, là, dans les engrenages. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Alors attendez. Petite spatule qui va bien. Alors on va faire la spatule. J'aime bien travailler avec ça. Voilà, donc je vais mettre un peu de graisse. Là. Un peu là. Ça sera mieux que rien mettre du tout, on va dire. J'en mets un peu là. Tac. Il y a un peu mon photon, ça sera cool. J'ai un peu de laisse. Là. Je pense que là ça suffira, ça doit suffire. Et puis je vais en mettre un peu sur celui aussi. Voilà, donc tout est bien dressé. Ça devrait couler. Voilà. Donc après il y a cet engrenage là. Voilà qui est relié avec la manette. Je vais en mettre un peu dessus aussi. Sur l'hydrant.
fini. J'en ai mis un petit peu, j'en ai pas mis 3 tonnes non plus, parce qu'après ça va couler dedans, ça va faire une grosse patia. Je pense que c'est pas nécessaire, comme ça, ça suffira très bien. Voilà, j'en mets un peu là. Tac. Et maintenant, on remonte ça. Hop. Donc là, est-ce que ça tourne? Ouais, ça tourne. Donc, je vais remettre les vis d'origine. Parce que celle que j'ai acheté, que je voulais remplacer, c'est pas les mêmes pas de vis. Ceux qui sont dessus d'origine, le pas de vis est un peu plus large. Alors que c'est la même taille de vis et tout. Voilà. Donc bon, ça se visse bien, c'est plutôt cool. Hop. Et la troisième vis. Si vous en démontez un et que vous n'arrivez pas à enlever les vis, mettez beaucoup de dégrippant, attendez 5-10 minutes, après vous en remettez un peu, vous attendez, et comme ça vous défoncez pas vos pas de vis, parce que si vous foirez un pas de vis et que vous n'arrivez pas à retrouver les mêmes vis, et ben vous êtes dans le caca. Voilà. Il ne me reste plus qu'à poncer un petit coup la poignée. Et on sera pas mal. Je suis au grain 400, il n'y a vraiment pas grand chose à enlever. Voilà. Donc je viens de poncer au grain 400 le bois du manche et là je vais mettre un petit coup d'huile de lin et de térébenthine. Ça ne fera pas de mal. Mon pinceau est un peu tout sec. Je vais le mettre avec du papier, ça sera plus simple. La restauration est finie. Ça marche plutôt bien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne également. En cliquant sur la cloche des notifications, comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos. Moi je te dis merci, si tu as une question tu peux m'écrire dans les commentaires ou si tu as une remarque à faire sur la vidéo. Et c'est tout, donc moi je te dis à la prochaine, ciao! Thank you.